Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce premier épisode de la saison, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1 et notamment des nombreux rebondissements lors de ce mercato. L'immersion de cette semaine sera avec la prometteuse équipe de l'ASPTT entraînée par Marcel Gibon. L'objectif est clair, passer un cap avec cette belle génération. Marc Collat, le sélectionneur de la Martinique, nous dressera un bilan de son parcours à la Gold Cup, puis nous évoquera son futur au sein des Matininos. Nous terminerons avec le maître du jeu. Dans ce premier numéro, on se glissera dans la routine de l'arbitre Laurent Véronique. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette première rubrique actu de la saison. À cette occasion, je suis avec Aymeric Larcher. Comment ça va, Aymeric ? Ça va très bien, Axel, et toi-même ? Mais super, super, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Bon, je fais comme si ça fait longtemps, mais on se croise tout le temps sur les terrains. J'avoue. Hein ? Comment se sont passées tes vacances ? J'ai pas eu de vacances. Hein. Mais c'est ça, je pense que tu n'as pas chômé. 3 jours peut-être de vacances. C'est ça ? Ouais. Tu étais sur les différents matchs amicaux, le mercato. C'est ça, c'est ça. Raconte un peu. Eh ben oui, ma vie durant cette période-là a été très active. Ouais. Les matchs amicaux, ben, y a des équipes intéressantes hein, qui combinent déjà bien, comme le RC Saint-Joseph, je trouve. Ouais, on en parlera un peu plus dans la route. Et puis le mercato, ça a bougé. D'accord. Et pour ne pas déroger à la règle, Monsieur Scoop, oui. As-tu une info exclusive pour moi, s'il te plaît ? Alors, je vais parler du football féminin, la sélection de Martinique précisément. Il y aura bientôt des matchs. Donc, la sélection vise des joueuses professionnelles. Super. Et dont une de renom. D'accord. Qui s'appelle Mylène Tharieux. Alors, ce ne sera pas pour ce mois de septembre, tout de suite peut-être, c'est très rapide. Mais peut-être octobre, novembre, c'est une possibilité. Bonne nouvelle. Mario Boccali, comment ça va ? Bonsoir Axel, ça va. Très bien. De ton côté aussi, les vacances ont été rythmées, avec notamment les U15, la sélection U15. Oui, les U15, c'est-à-dire que des vacances qu'on n'a pas pu faire réellement, puisqu'il fallait préparer les jeunes, et puis nous nous sommes rendus aussi à Curaçao avec eux. Ouais. Et puis là, on a pris quelques petites vacances avant de recommencer là, dès la semaine prochaine. Raconte-moi, cette Ligue des Nations, c'est quand même une grande satisfaction. Les jeunes sont 3e et montent en Ligue A, c'est ça ? Alors, justement, on sort 3e ouais. du tiers 2. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est important. La CONCACAF n'a pas encore défini qui montera. D'accord. Donc, attention, on verra un petit peu comment les choses seront définies, mais j'espère qu'on aura le droit, parce que je pense que les jeunes se sont bien battus. Ça a été l'objectif aussi, ouais. De pouvoir qualifier les générations qui viendront 2 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on s'est battu justement. Super. Messieurs, la Régionale 1 arrive à grands pas. Je vous ai donc demandé qui est le grand prétendant au titre. Mario. Naturellement, on dira le Golden Lion, parce que je crois qu'ils ont quand même une emprise. Ouais. Après, il y a des équipes qui ont quand même bien recruté. On en parlera un peu plus tard. Donc, dans la rubrique. Voilà, mais naturellement, c'est eux parce qu'ils ont, en plus, je pense qu'en ce moment, ils ont le dessus mentalement sur pas mal d'équipes. C'est ça. Et ils continuent à jouer, ils ont encore recruté. Je pense que les tournois internationaux aussi, ça permet aussi de les faire progresser mentalement, techniquement. Ça aide, ouais. Ça a peut-être fatigué physiquement aussi. Donc, il faudra voir parce que là, on n'est plus dans le cas d'un 6 majeur. Ouais. Donc, il y a des points à ne pas perdre au départ. Et ils seront déjà dans une spirale de match très tôt. Donc, ça, il faudra voir aussi comment ils arrivent à gérer ça. Et Mike, tu es d'accord avec Mario ? Je pense que quand on est 3 fois de suite champion de Martinique, on peut être le favori. Et on peut peut-être voir d'autres équipes qui vont peut-être titiller. Quel est le principal adversaire du Golden Lion cette saison ? Ah, pour moi, ça reste quand même en termes d'effectifs. Le club franciscain, le club colonial, les deux clubs. Parce que les deux ont très bien recruté. Ouais. Et intelligemment recruté. Et je pense qu'il y a des effectifs qui permettent d'avoir une longueur de banc beaucoup plus importante que le Golden Lion. Donc, je pense que ces équipes-là, et puis ils ont des entraîneurs aussi qui connaissent la R1 depuis des années, entre Jean-Marc et Patrick. Donc, je pense que c'est un beau duel. Et puis, on a la Samaritaine en dessous qui a bien recruté aussi. Gros outsider. Intelligemment aussi, donc des outsiders. Et puis, il y a toujours des surprises. Hein. Et Mike, le diamant, selon toi, peut faire quelque chose ? Il faut être patient avec cette équipe-là, je pense. Même s'ils ont fait un recrutement intelligent. XXL. Peut-être, oui. Mais la vérité, c'est sur le terrain. Grand favori, je ne dirais pas ça à ce niveau-là. Je dirais que le Golden Lion va défendre un titre déjà. Maintenant, il y a quelque chose qui est une donne nouvelle. Nous sommes dans une forme de championnat, dans l'international.
Donc à ce niveau-là, ce serait quelque chose à bien calculer, bien calibrer, pour que les couleurs du Golden Lion restent toujours dans le haut de classement, bien sûr. Poursuivons avec le Mercato cru 2023-2024. Certaines formations se sont lourdement armées. Emeric, quel est le grand gagnant de ce mercato ? Pour moi, durant le mercato, il y a eu deux types de mercato. Un mercato intelligent, que je vais appeler intelligent, et puis un mercato impressionnant. On remarque que des équipes comme le club franciscain, le RC Saint-Joseph, le club colonial, ont fait des mercatos impressionnants. Et moi, je pense qu'il y a des clubs comme le club péléen, l'US Diamantinoise, la Samaritaine, qui ont ciblé certains postes. Oui. Et du coup, on réalisait un mercato intelligent. Donc maintenant, reste à voir qui l'emportera. Au suspense, Mario, quel est le transfert qui t'a le plus surpris ? À le plus surpris, Yann Timon à l'US Diamantinoise. D'accord. Ouais, je savais qu'il avait des velléités de départ. C'est bien parce que ça peut faire une attaque de feu avec Hugo Ipastel. C'est ça. Avec les joueurs qui sont derrière, avec Steven Bakker. Et après, il y en a d'autres aussi qui ont bougé sur des destinations. Les frères Gabriel Régis qui viennent au club Pélin aussi. Exactement. C'est des éléments. Bon, après, je pense que le coach du club Pélin a su convaincre de venir chez lui. C'est vrai que on paye, j'ai envie de dire, le travail de longue haleine qu'on fait, puisque ça fait quand même un travail de 3 ans où effectivement on essaye à chaque fois de recruter intelligemment, puisque l'an passé quand même on avait réussi à recruter des joueurs comme Sébastien Quétinor, Johan Sivo et Florian Goma. Donc on a vraiment essayé d'être sur une continuité. Terminons cette rubrique avec la sélection de Martinique qui débute sa campagne en Ligue des Nations CONCACAF le 7 septembre face au Panama, puis le 10 septembre face à Curaçao. Mario, doit-on être confiant pour cette édition ? Oui, vu la Gold Cup qu'on a réussi à faire cette année, oui. Ouais. Après, on sait que ce n'est pas le même groupe, c'est toujours la même réalité. On va jouer un adversaire, le Panama, qui est assez costaud, parce que je pense qu'ils ont fait une belle Gold Cup, c'est une bonne équipe. Ce sera compliqué d'aller chercher quelque chose là-bas. Maintenant, c'est sur un match, on a des joueurs qui reviennent, donc peut-être qu'on peut justement… En parlant du groupe, justement, toi, qu'ancien sélectionneur, comment perçois-tu le groupe ? C'est-à-dire que la difficulté qu'il y a là sur le match de cette semaine, c'est la rotation encore des joueurs, dû au fait que tous les joueurs ne peuvent pas venir, étant donné qu'ils sont nationaux. Donc, on a toute cette réalité qui est là. Et puis après, je pense que les joueurs se connaissent globalement. Donc, je pense qu'ils vont essayer de réagir ensemble. Sur leur premier match, ce sera plus complexe. Après, ils auront des à travailler. Donc, sur Curaçao, peut-être qu'on aura quelque chose de plus intéressant chez nous. Emeric, doit-on croire à la qualification ? Je préfère attendre les matchs, voir les matchs. Après, pour revenir sur la liste, j'aime bien l'attaque par rapport à celle de la Gold Cup. Attaque de feu. Oui, ben, le retour de Biron, déjà, ça a une différence pour moi, déjà, sur le papier. Ouais. Mais par contre, défensivement, c'est là où je suis un peu inquiet, parce que là, ce sera vraiment une défense expérimentale, déjà face au Panama, et déjà battre le Panama chez eux, c'est compliqué, donc… J'espère qu'on pourra limiter la casse au niveau des buts encaissés, des potentiels buts encaissés en tout cas. Petite interro surprise, messieurs, petit pronostic. On commence avec toi, Mario. Si on accroche un match nul au Panama, c'est très bien. Et puis, je pense qu'on a de quoi gagner le Curaçao chez nous. Les 15 ans, on a montré le chemin sur le Curaçao. Donc, j'espère que les filles aussi. Donc, j'espère que les A pourront suivre. Emeric. Face au Panama, je suis assez pessimiste. Je pense qu'on va perdre. Ah après, oui, à domicile, je suis très optimiste. D'accord. Je pense qu'on va gagner. Très bien. Merci, messieurs, pour vos fines expertises. Et à très bientôt dans Made in Foot. Merci. À bientôt. Dans ce premier numéro, focus sur la très jeune équipe de R3, de la SPTT qui débute sa saison avec un troisième tour de Coupe de France face à la Séverprix, sous l'égide de son nouvel entraîneur, Marcel Gibault. Excuse-moi. Nous pas une pièce pression, d'accord ? On est là, on travaille, on a des objectifs. Notre équipe est relativement même très jeune. Mais ça ne doit pas être un gage, ça ne doit pas être une excuse pour nous. Merci, merci beaucoup. Kylian, tu joues à toi alors, Kylian. Le forfait de la Séverprix, bon, c'est assez logique, ils ont vu l'expédition, ils ont déclaré qu'il faut faire, mais sinon. Allons, on travaille samedi, on est là. Allez, viens vers le ballon, attaque-le. Bien joué. Tire au but, les deux gardiens, jouez. Mais le gardien ne plonge pas, il faut me dire ce qu'il y a au plongé, je vais jouer au tir en dedans.
Bien joué. Bien joué, Teddy. Bien joué, Teddy. Ce soir, et demain, vendredi, là, c'est mon là qui a mis l'album. Là. L'album fini. Hein. Je vais me préparer depuis ce soir. Coach, tu veux ça sur un site? Est-ce que j'ai mes lentilles. J'ai mes lentilles. Regarde. Tu as bois du jus, bois du gingembre. Et aussi, on est fini. Qu'est-ce qu'on pense en montant? Oui. J'ai tapé le bal. Faut baser les mains, les gars. Pourquoi tu te fais bizarre? C'est notre premier match. D'accord? D'accord? Ils ont déjà un match de plus que nous. Donc ils sont censés athlétiquement être meilleurs que nous parce qu'il n'y a rien qui remplace la compétition. La seule chose qu'on vous demande, jouez. La Diego, ça. Et puis nous, on va battre le Aidez. Kylian, tu es tout seul. Alouza. Oui. Oh. Ma parole est en arrière, les bons. Nous pas orbite. Bon. Kylian. C'est pas grave, les gars. Kylian, tu as fait une mauvaise passe, mais ça arrive, Messi, ça arrive les plus grands. Vivez vous comme football là, Boukmé, ok? On va y aller. Nous avons tout à côté. Tout boule à côté. Bien. Bien, les gens, bien. Regarde le côté. Il s'en est. Les messieurs, ça fait 3 buts, 2 balles en contre, et puis on passe, les gars. Et puis on a été babillés entre nous. Écoute. C'est on a 2-8 en fait. Parce qu'à ce moment-là, les 8 avaient jusqu'à 22, c'était au vôt. Faudra couper ça. Les 20. Depuis 3-2, les gars. Exactement. Ça finit. Vas-y, fais-le. Si nous mettons au but, on va douter. Pourquoi pas jamais jouer boule à la frérot? Pourquoi tu as tout en plus? Amen, non, mais non. Allez, gars. Ferme sur lui. Et Raymond, qu'est-ce qu'il a? Aïe. Laissez Laissez le ballon. Va. Voilà. Bien joué les gars. On est sur la bonne voie. Par contre, ne croyez pas parce qu'ils ont fait Edonéo, nous nous faisons 3D, que nous arrivons. En tous les cas les gars, fier d'être votre entraîneur. Je pense que le staff est fier de vous les gars. Mais c'est le début qui est là. Bonsoir Marc Collat, comment ça va? Merci, ça va très bien. Lors de notre dernier entretien, nous évoquions la Ligue des Nations 2022-2023. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de l'édition 2023-2024.
juste après une Gold Cup assez encourageante. Si on compte la phase de barrage avec 3 victoires et 2 défaites, que retiens-tu ? Je retiens effectivement cette qualification pour la Gold Cup qui a été très prenante parce qu'on a rencontré 2 adversaires de haut niveau et l'objectif a été atteint, c'est-à-dire la qualification à la Gold Cup. Et on sait que d'autres nations auraient bien aimé être à notre place puisqu'il y a des nations de haut niveau qui n'ont pas pu passer ces poules de barrage qui sont toujours des épreuves très difficiles. On a certainement, je dirais, laissé des forces dans ces deux matchs pour aborder, je dirais, la Gold Cup de manière totalement sereine. Et justement, face au Panama, tu changes littéralement ton 11 type. Est-ce que tu as des regrets ? Tu aurais pu te qualifier par rapport à ce match ? Non, sincèrement, je ne le pense pas. Après avoir consulté et mon staff et le staff médical, je savais qu'il fallait qu'on fasse tourner parce qu'il y avait des joueurs qui étaient dans le rouge, qui étaient à la limite. Ils auraient pu se blesser lors d'un quatrième match contre le Panama. Donc, j'ai pas de regrets par rapport à cela. Simplement, peut-être que si ça avait été le Costa Rica au lieu du Panama, peut-être qu'on serait qualifié. Mais bon, ça, c'est avec des si. Vous savez, avec des si, on peut tout gagner. En parlant du Panama, nous allons affronter une fois de plus cette sélection et le Curaçao lors de la prochaine Ligue des Nations. J'aimerais que tu me parles de la constitution de cette sélection. J'ai l'impression que c'est toujours 2 pas en avant, 2 pas en arrière, que tu n'as pas vraiment une vraie ossature. Quel est ton état d'esprit avant d'entamer cette Ligue des Nations ? Moi, je dirais qu'il faut avoir un moral à toute épreuve quand on est sélectionneur de la Martinique parce qu'effectivement, on n'arrive pas à avoir une ossature stable et de compétition en compétition. On est obligé de changer sans arrêt l'effectif de l'équipe des Matininos. Pour des raisons que vous connaissez depuis peut-être plus longtemps que moi, ouais. À savoir le renoncement de la part de certains joueurs, l'interdiction de la part de certains clubs, ce qui fait que match après match, compétition après compétition, on est obligé de chambouler sans arrêt l'équipe, et ça sera encore le cas lors de ces 2 matchs à venir. Je vais te poser une petite question indiscrète. Ton contrat se termine fin octobre, à l'issue des matchs de Ligue des Nations. As-tu envie de continuer l'aventure avec les Matininos ? Personnellement, bien sûr que j'ai envie de continuer parce que je trouve qu'on n'a pas réussi à développer tout le potentiel que peut avoir la sélection de la Martinique. C'est ça. Et pour moi, ce serait une grande frustration de m'arrêter aussitôt. Mais voilà, c'est les dirigeants de la Ligue qui décident et pas Marcola. Et tu as même cette impression de ne pas avoir exploité au maximum les ressources de cette sélection ? C'est évident parce que mon projet au départ, c'était de pouvoir faire venir des joueurs comme Ludovic Blas. Moi, je suis consterné qu'un garçon comme Christophe Herrel n'ait jamais rejoint l'équipe des Matininos. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu jouer pour la sélection, et je trouve dommageable pour cette sélection qui n'ait jamais répondu présent. Mais ça, c'était mon objectif, et jusqu'à présent, j'ai échoué dans cette volonté d'amener ces joueurs de haut niveau qui pourraient changer vraiment, je dirais, le niveau de l'équipe des Matininos. Tu as abandonné cette idée de faire venir Christophe Herrel ? Ah oui, j'ai complètement abandonné parce que, vous savez, quand vous envoyez 10 messages à la même personne et que cette personne ne vous répond pas ou répond au calendrier grec, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par la sélection des Matininos. Marc, il y a des rumeurs de retour avec la sélection féminine d'Haïti. As-tu envie de rejoindre les rangs de cette sélection ? Aujourd'hui, je suis sous contrat avec la Martinique. Ouais. Et il est clair que si l'équipe de Martinique
veut continuer avec moi cette aventure, j'en serais ravi. Maintenant, je suis ouvert, comme tout entraîneur, à des sollicitations. Et bien que je n'ai pas été sollicité du tout par la Fédération haïtienne de football, qui n'aurait pas envie d'entraîner une équipe qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde et qui a un potentiel assez extraordinaire. Très bien. Merci Marc Collat d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec les Matinino? Eh ben, beaucoup de réussite dans ce premier match parce que on va le préparer avec mon staff dans des conditions très difficiles. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'on puisse en 2 jours préparer une équipe rendre de la fierté à tout le peuple martiniquais. Merci Marc Collat et à très bientôt dans Made in Foot. Merci à vous. Ah, belle petite pelouse. Ah ouais, faut pas se jouer à des terrains, pas bon. Maman, belle pelouse. Les lignes ont l'air bien tracées. Il y a une pression à avoir. Donc en général, on les met à 1. À moins le quart, tout le monde au vestiaire pour qu'on puisse faire le contrôle. C'est bon pour vous? La ligne médiane, à l'entrée de la surface. Le petit carré qu'il y a devant, c'est ta zone. Donc tu fais des rappels à l'ordre, tu me signales les fautes. Il y a des petites fautes, ce qu'on appelle des fautes soft. Si c'est pas méchant, si c'est pas dangereux, si, enfin pour la fluidité du jeu, il y a des fautes que je siffle volontairement pas. Il faudra qu'on ait le même niveau de sanction. Stop! Ok. On essaie de prendre tous les 3 les cartons, au cas où. Numéro 11, Capit Philippe. C'est bon, on y va, messieurs? Bon match, messieurs. Ok, on attaque tout de suite, on a pris un petit peu de retard. Les deux joueurs sont au duel pour la conquête du ballon, épaule contre épaule. Y'a rien là. On va les déhabiter, les poteaux. Besoin du soigneur, joueur? Ça ira. J'ai rien vu. Et pourquoi tu siffles? Parce que ça joue, toi. Le jeu, monsieur Lorbe. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu n'as pas vu, tu te vois dans ta tête. Tu... Parce qu'il y a un souci là, je vais voir ce qui se passe. Vous êtes sorti sans autorisation, je suis obligé de te donner. C'est lui qui m'a dit de sortir. Ah, il t'a dit. Gabin, il te donne l'autorisation. Tu lui donnes l'autorisation ou pas? Les gars, laissez-moi voir ça avec mon assistant, s'il vous plaît. Il t'a demandé l'autorisation de sortir. Avant que je lui dise. Ah, je t'assure, monsieur Lorbe, tu m'as dit de sortir. Ok, c'est bon. Me stop pas, monsieur Lorbe. C'est toi qui m'as dit de sortir. Tu vas calmer, les gars, ok? Moi, vous êtes sorti sans autorisation, je suis obligé de donner la réponse. Je lui ai demandé, mais... Ok, allez-y. Bas la terre pour les blancs, les gars. J'ai arrêté le jeu parce qu'il y avait un souci. Non, effectivement. Bas la terre pour les rouges. Il n'y a pas de faute. Bas la terre pour les rouges. Non, c'est les rouges qui avaient le ballon. Mais m'en trompez quand même. Je dis bas la terre pour les rouges. Tu as habité là, l'homme tout seul? Il y a 2 personnes dans l'axe. Alors, 0 carton ici? Il y a carton jaune. Ça... Un aveu de faiblesse qui est là, ça. T'inquiète, il y a 2 gars dans l'axe, je ne peux pas donner 2 cartons, ok? Yes. Tu habites plutôt avec les matchs en Angleterre, c'est ça? On n'est pas en Angleterre ici. C'est limite, ce sera la dernière, ok? Si c'est moi qui fais ça, vous pouvez sortir de ce côté-là, vous aurez besoin du brancard. Besoin du soigneur, la même chose. Oh, la même chose. Calmez-vous. Là, il y a faute. On a dit, je vais te parler. Le capitaine va te parler. Les gars, écartez-vous, s'il vous plaît. Ok, écartez-vous, joueur. Écartez-vous, gars. Le capitaine va dire. Écoute-le.
tous les bons choix à faire. T'as sifflé quand il fallait siffler, t'as laissé aller quand il fallait laisser aller. Mais on sent bien que... Non, il y a de l'engagement, c'est... Ça, mais ah, pour l'instant... C'est très, très électrique et le moindre petit truc à la con que tu fais à part. Les dessins, donc c'est pour ça que je dis pendant 10 bonnes minutes, tout là, comme un coup de caméra, on laisserait passer. Ils ont compris et puis ils se mettent à jouer intelligemment. On y retourne. Ça joue, ça veut dire qu'il y a l'avantage. Si tu veux ton coup franc, tu ne joues pas le ballon et il y a coup franc. Ça joue, ça joue. Je reviens à la faute. Besoin du soignant ou ça ira? Ah oui, soignant. On s'y vit, meuf. Oui, ça. C'est le jeune là, il faut prendre. Dégage. Il a fait ça tout le match. Mais là, vous prenez son pied, les gars. Mais non. Il a réussi là. Prenez le ballon et je ne siffle pas. Mais ça ne va pas marcher. Ça va pas ça marcher. Ça va jouer. À mon niveau. Sur ce petit malin, malade d'avancer. Concentrez-vous sur votre jeu, les gars. Tes deux pieds sont décollés quand tu lâches le ballon. Numéro 6, vous cachez la même. Joueur, s'il vous plaît. Joueur, s'il vous plaît. Viens, viens, viens. Voilà, numéro 13, s'il vous plaît. Numéro 13, s'il vous plaît. Vous venez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que dire? Vous calmez vos propos, capitaine Falebaï. Messieurs, 6 minutes de temps additionnel. C'est beau, là. Hein? J'ai le temps, là, regardez. Sortez, s'il vous plaît. Non, 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 non. Enfin, ce que je veux demander, il a besoin du brancard ou il pourra sortir tout seul, s'il vous plaît. Joueur, vous aurez besoin du brancard? Je vous demande s'il pourra sortir tout seul ou s'il a besoin du brancard. Vous me répondez, c'est tout. Donc, à bien compter temps, hein, les gars, calmez-vous. Ok? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le prenne sous mon épaule et que je le mette derrière moi-même? Eh bien, qui sort les mauvais frères? On est à 8 minutes de temps additionnel, on en a déjà fait 5. Donc, il reste 3 ou 4 minutes. Yes, super. Tiens, viens, ouais. À la prochaine. La partie était engagée mais belle. Deux belles équipes, bonne collaboration avec les assistants. Un match qui se termine plutôt bien en ce qui nous concerne. Direction le gymnase de Coridon, où se poursuit la première édition du Challenge Georges Mendy. Une belle initiative du FC Floréal Gladiator, qui se poursuivra jusqu'au 20 septembre. L'idée de ce tournoi, c'est de rendre hommage à un jeune qui était avec nous, qui a perdu la vie il y a quelques années de cela. Et donc c'est Georges Mendy, et c'était un joueur de football très talentueux. Il avait signé au futsal avec nous, bon, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir évoluer. Et à travers cet hommage-là, en fait, de pouvoir nous préparer aux échéances, hein, tout simplement avoir une sorte de tournoi de préparation estivale, si on peut dire, pour nous préparer pour les échéances du trophée des champions d'abord et ensuite du championnat. Pour préparer un championnat, pour moi, c'est une très bonne initiative. Cette année, on va essayer toujours de titiller, d'embêter un petit peu, mais vous savez, savoir tenir une équipe à flot sur une saison, ce n'est pas toujours évident. Donc là, nous sommes sur une nouvelle base, donc on va travailler. Après son magnifique sac au tournoi de l'Union caribéenne à Antigua, la sélection féminine U14 a été chaleureusement accueillie sur ses terres à l'aéroport Aimé Césaire. C'est vrai qu'on partait quand même à la découverte avec ce jeune groupe. Au fil du tournoi, on a senti quand même monter la confiance. On s'est dit qu'en phase éliminatoire, il fallait tout donner, c'est sur un match coup près. Ce même groupe-là aura la chance de participer justement au championnat U15 de la CONCACAF en juillet prochain. Donc on a déjà quand même une bonne base sur laquelle travailler. Bien sûr, ce n'est pas fermé, le groupe va s'étouffer et puis on verra par la suite. On termine ce premier numéro avec la joie de nos féminines, vainqueurs au bout du suspense. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.